Yes. Alors bienvenue ou bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui nous allons manger piquant. Alors nous avons des nouilles carbonara ici avec fromage raclette, emmental et l'air d'hameur. Nous avons des croque-monsieur ici, des raviolis chinois de ce côté-là et des crêpes, enfin des galettes que j'ai fait, je vous ai filmé la recette, avec du chou et des épices. En boisson nous avons un jus goyave fruit du dragon. Ainsi passe-moi ton verre. Aujourd'hui il n'y a pas de courrier du cœur. Il n'y a pas de shout out, donc ben voilà, restez là quoi. En vrai, les courriers du cœur, ça fait longtemps. Hein. Ouais, je vais en faire la prochaine fois. Je vais reprendre les courriers du cœur quand les enfants seront à l'école pour être plus tranquille. Non, pas à l'école. Non, c'est pas aujourd'hui l'école. Il a peur là. Je donne une semaine. Cheers. Bon, c'est vraiment mange normalement. On ne fait pas la morphale, compris? J'ai cru que ça avait complètement refroidi, mais c'est encore chaud. On voit un peu la fumée qui se dégage des nouilles. Ouais. Donc ça va être bon. J'essaie d'en prendre un peu, pas trop. Hein. Ça va comme ça? J'ai mis du l'air d'hameur, de l'emmental et du fromage à raclette. Avec beaucoup de fromage, ça pique pas trop et c'est trop bon. Ah, tu veux goûter? Tu veux goûter ça? Non, c'est piquant. Non, ça pique pas trop. Hein. T'as réussi à manger les nouilles bleues, les chips bleues, avec tout le fromage que j'ai mis? Une nouille bleue. Ça pique, mais un peu. Goûte. T'as une autre bleue. T'as une autre bleue. Les chips bleus. Ah oui, les tapis. Regarde, j'ai fait frire des cordons bleus, là. Des cordons bleus. C'est un cordon bleu, tiens. Alors? Alors, c'est bon. C'est bon comme ça. Oui, je crois. Avec ça, j'ai fait des raviolis crevettes pousses de bambou là. Croquant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, c'est trop bon. Normalement, ça se mange vapeur. Mais j'aime trop les faire frire. Est-ce qu'ils sont trop bons? C'est trop bon, la texture elle est trop intéressante. Ouais. Donc, je goûte les deux ensemble là. Là, point. J'ai fait combo des deux. Aaron, il voulait faire la vidéo, mais quand il a vu les trucs piquants, il a dit non. Ouais. C'est bon, hein? C'est très bon. Ça change de tout ce qu'on a mangé à Noël. À Noël, là. Oh là là, Noël et bonne année, on a fait. Des trucs trop gras. Un carnage. Ouais. Avec Et vous, là, vous avez fait, vous mettez dans ma chambre. Et avec aussi les souvenirs à la maison. Ah, mais toi, t'avais flippé aussi. Adèle et Aaron, ils avaient flippé. Hein, ah, non, je te jure. Alors que nous, avec Wachila, on était comme ça. Et moi, ce que je disais. Non, mais j'étais folle, hein. Faut pas dire ça. C'est pas bien ce que j'ai dit. Pour la bonne année, j'ai emmené les enfants sonner à quelques maisons. Et ils ont givé. Ce que je criais, c'est pas bien. Au début, Wachila, elle avait peur. Mais après, quand elle s'est lancée, elle a kiffé. Adèle, elle avait trop peur. Elle s'est dans la voiture avec Aaron. Moi aussi. Toi aussi, t'avais peur. Adèle, elle a fait quand même deux maisons, mais après, elle a kiffé. Mais c'est l'heure de rentrer, on avait fini déjà le tour. Moi, je mets des bouillies et des boules et des chaussettes. Et du coup, Adèle, elle faisait peur en disant, vite, dépêchez-vous, là, il y a l'ascenseur, il y a la police. Et Aaron, il avait peur.
C'était bien. Les galettes, ça, j'aime pas. J'aime pas? Bah, à manger, là. De base, je sais que j'aime pas. Du coup, je te les laisse. Alors, toi, tu goûtes quand même une? J'ai déjà goûté. J'aime pas. Mange pas, maman. Mange rien. Hein? C'est le seul truc que tu peux manger. Ah, c'est bon pour toi. La prochaine fois, je mettrai des crevettes ou des lardons avec. Elles sont bonnes les galettes là. Elles ont un bon goût. Parce que comme tu sais qu'il y a du chou dedans, tu veux pas manger. Si t'avais pas su, t'aurais bien mangé. T'aurais... Je sais pas, parce que plusieurs fois je t'ai fait le coup. Comme quand hier là tu peux pas dire que c'était caché hein. Là tu pouvais pas dire que c'était caché. Ouais, je veux dire ça avant. Je te fais à manger, je te mets des nouilles, je te mets des choux, je te mets. Enfin des nouilles, je te mets du chou, je te mets des brocolis et tout ça. Tu veux? Plus jamais je mange ta nourriture. Bah tu vas prendre de faim. Ah non, c'est trop bon, regarde ce que tu fais. C'est quoi, Ren? Il fait un temps de malade. Il fait froid. Il pleut. Il ne mange pas. Du coup, ce matin. Il pleut encore. Ce matin, y a le technicien qui est venu pour voir la moisissure. Je vous ai toujours rentré dans ma chambre. Ouais, bah il fallait que je monte partout. Elle dormait. Je l'ai fait rentrer. Il m'a fait rentrer dormir dans la bouche ouverte. Ouais. Maman. Là, on va me réveiller. Pourquoi? Du coup, il a regardé. Il a dit que toutes les VMC sont obsolètes. Elles sont toutes mortes. Quoi? C'était quoi? Toutes les douches d'aération là. C'est là que c'est moisi partout. Toujours dessus des fenêtres. Tout est moisi, tout est cassé, tout est vieux. Du coup, bah. Il n'y a plus qu'à changer. Du coup, ils vont tout faire changer. Ce ne sera pas à nos frais. En gros, j'aurais pas à payer quoi parce que c'est eux. On reste ici. Non? J'ai déjà fait la demande de logement pour aller à Fontaine. Moi là-bas, j'ai toutes mes copines. Sauf Marissa, elle est partie. Elle me saoule. J'aime bien ici. Mais les Fontaines, c'est mieux. Les Fontaines, c'est mieux. C'est le quartier de mon enfant, en fait. Et ce chat? Bah, laisse-la, elle a le droit de rentrer. Tu veux quoi, toi? Aaron, à chaque fois qu'il voit le chat rentrer au salon, il la chasse. Et mais en même temps, mademoiselle, qu'est-ce que tu as fait cette nuit? Dans notre aquarium, on avait un poisson qui était très agressif envers des autres. Il leur bouffait les queues. Tous les nouveaux avaient maintenant leur jupe complètement bouffée. Il empêchait tous les poissons de se mettre au milieu de l'aquarium. Genre, ils ne pouvaient pas se mettre au milieu comme ça. Là. Dès qu'ils se mettaient au milieu, bah, le poisson flash, qui était très rapide, il les pourchassait pour les mettre dans les coins. Donc, aucun autre poisson ne pouvait se mettre au milieu. Du coup, là, hier, ce que j'ai fait, je l'ai sorti, je l'ai mis dans un gros bol en attendant. Je l'ai posé au salon, j'ai bien dit Sephora, je le pose là, en attendant d'acheter un aquarium boule comme pour les poissons rouges. N'oublie pas de fermer la porte. Elle est partie dormir à 5h30, pratiquement 6h. Elle a laissé la porte ouverte et le temps que je me réveille à 8h, entre 6h et 8h, le chat avait mangé le petit poisson. Et moi aussi. T'es dormi à 4h? Oui, mytho, moi j'ai dormi à 6h et à 4h je l'ai pas vu. Il a dormi vers moi. Je l'ai réveillé à 4h pour aller faire pipi.
Ouais, mais la première fois qu'ils sont endormis, c'était pas fort, t'as remonté une. Moi, j'ai vu une. Bah, quand c'est l'heure de dormir, c'est un gros lit. Pas comme des vacances, sur. Tu peux dormir jusqu'à tard. Moi, je dors à 6h. Tu sais qu'on est mercredi. En plus. À partir de demain, après-demain, on commence à dormir. C'est gros, ça. C'est gros. Plus tôt. En plus, là, en plus, bientôt, en sport à l'école, on va commencer théâtre. C'est pas un sport. Garde. Comment on fait? Bah, tu mets dans ta bouche, tu bois. Ah, je lui donne le verre, je dis bois. Il me dit comment on fait. Ah, non, mais moi, quand on sort de moi, quand il me demande, quand il est dans la chambre, mais quand je lui sors, il me dit comment on fait. Alors, pour papa, comment caca? Comment on fait caca? Alors, toi, comment fait papa pour? Il est ventre plein, ça y est. La pute. Ouais, maman. Malade. Bah maintenant j'ai pris tous les médicaments qu'il fallait. On n'est plus trop malade. On ne tousse plus. Ouais. Parce que c'était la moisissure. Le médecin il nous a donné des trucs anti-allergiques. Anti-allergiques. On ne tousse plus en plus. Mmh. C'est top ça. Bon. On va dire so guys. Oui. So guys. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. On vous aime tous très fort. Bye.